Nous sommes ici aujourd'hui dans le village natal de Mgr Gérald Lacroix à Saint-Hilaire-de-Dorset en Beauce. Aujourd'hui, le 18 juin 2011, Mgr Lacroix visite sa paroisse natale. C'est un bijou, cette chaire-là. Elle est vraiment très belle. Le lit s'emplissait, puis les bargeurs font le bord, puis il y avait plein de jeunes qui se filaient ici. Il y avait des petits, là, qui se filaient droit dans le palus. Vois-tu le pallium, il veut? Il est plus long que le mien, hein, mais Saint-Hilaire, c'est un archevêque. C'est la première fois que je remarque ça. Il y a le pallium, c'est ça. Ah, ça dit tout de suite que c'est un archevêque. Un archevêque métropolitain. C'est juste les archevêques qui portaient le pallium. C'est ça. C'était prémonitoire. Hein? Viens voir où j'ai été baptisé, Martin. J'ai été baptisé ici, juste ici. Il n'y avait pas de fonds baptismaux, c'était un plat en grès. Hein, Dad, n'expliquez ça. Mais il y avait un plat, j'en avais ça mettre la main là-dessus. Je sais pas où il est, hein? Aucune idée, c'est ça. Non, en bas, c'était les fonds. Ils l'ont peut-être plus, hein? Non. Non. En tout cas, c'est pas grave. Mais expliquez-le comment ça se passait ici. Mais il y avait un gros plat en. En grès? Non, pas comme la vaisselle, là. En cristal? Pas en cristal, pareil comme ça, là. Là. Et comme ça, ici, là, puis il mettait de l'eau dedans. Puis là, il venait le bébé au-dessus, là, puis comme ça, ici. Les parents s'installaient comme ça, puis. Et puis, même on a un portrait, nous autres, là, c'était tout viré pour. Quand on t'a fait baptiser, avec papa, là, on t'a un portrait de ça. Oui, oui, oui. Et puis. Maman et puis Mariette, c'était la porteuse. Tu portais, oui. Et puis, je veux dire que là, c'était là, on l'a vu souvent. Hein. Toutes les fois qu'on venait ici de baptiser quelqu'un, c'était ça. Vous aussi, vous avez été baptisé ici? Sûrement, sûrement. Viens voir le beau Sacré-Cœur, ici. Pour une petite paroisse, là, viens, regarde la belle statue du Sacré-Cœur qui est ici. Deux beaux anges. Il y avait quelque chose d'important dans la famille, il y a quelqu'un, il ne pouvait rien faire là. Le banc de mes grands-parents, c'était ici, le numéro 27. Je suis venu souvent avec ma grand-mère ici, assis entre les deux, là. Hein? C'est ça. C'était notre bain. C'était notre bain ici, c'est ça. Mon père, il n'a pas de place ici avec mon oncle Jim en arrière. C'est ça. Pour moi, Gérald, ben, c'est encore mon petit gars. <Okay, oui. rire> Qui a toujours été notre petit gars. Puis, ça fâche au cœur parce que il n'y a pas juste une petite famille, il y a une grande famille. Okay. Tout le diocèse de Québec. OK, très bien. Pour moi, c'est ça que ça fait dans mon cœur. Ça nous fait plaisir de le voir, premièrement, en religion, avoir réellement reconnu le Christ dans son cœur, puis il veut le partager aux autres, puis ça nous fait vraiment chaud au cœur pour ça. Là. On est fiers de l'avoir, tu sais, comme quelque chose qu'on n'avait jamais rêvé ça, mais on est très content. Ah, bien ici, moi, je me souviens d'être venu souvent à messe, avec mes parents. Moi, comme j'étais le plus vieux, je montais avec mon père en haut. Il était dans le chœur de chant en haut. Alors, je montais là. Je me souviens, quelques messes de Noël, la messe de minuit, d'être monté, m'être endormi. Et j'ai manqué le plus gros de la messe. C'est quelque chose, là, ici. Hein? On a de l'histoire ici. Là. Oui, au-dessus de mon école, c'était juste là-bas. C'est pas gros notre village, hein? C'est tout petit. Mais quand c'est chez nous, c'est beau. Ça n'a pas besoin d'être gros pour être beau. Quand c'est chez nous, c'est nos racines, là, c'est. Êtes-vous arrêté au cimetière? Pas encore, non. Ah non, on va arrêter au cimetière en passant. Excellent. Absolument. Avez-vous vu la petite maison qu'il y a là? Oui, on l'a vu tantôt, mais vous savez c'est qui, hein? Mes grands-parents, c'est toute la famille. Mon père, mes hommes, mes sont tous des photos. C'est bon. Bon, ben, on s'en va au cimetière. OK. Thank you.
bien entretenu. Hein. Famille Lacroix. Ça, c'est mes grands-parents ici, Cyprien et Régina. Cyprien Lacroix et Régina Goulet. Et mes arrière-grands-parents, Philibert Lacroix et Mérilda Fournier. Ben oui, approchez-vous, on va faire une prière. Approchez, approchez, venez-vous-en autour. Approchez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je trouve que c'est une grande fierté, une grande honneur aussi de voir qu'on a un évêque dans notre famille. Puis entre les deux, on a un attachement qu'on reste copain-copain, on reste amis. On n'a pas pris les grandeurs ni sur un sens ni sur l'autre côté. Là, on a resté ensemble comme on était avant, si tu veux. Deux générations ici. Hein. Mes arrière-grands-parents ont été des défricheurs ici à Saint-Hilaire, hein, dans les premières familles. Hein. Oui, mon grand-père, ton arrière-grand-père, toi, il est venu au monde ici à Saint-Hilaire. Oui, c'était les premiers. Après ça, mon grand-père. Ça. Eh oui. Saint-Hilaire, c'est la place qu'on est au monde. C'est la place que l'autre homme de Dieu a venu au monde. Ça reste notre place natale. Puis c'est, vous savez, la place qu'on a venue au monde, c'est jamais un trou. C'est tout le temps une place très spéciale. L'arsenal le plus fort contre lequel on ne peut rien, c'est une arme dont le port ne demande aucun soutien. L'arsenal qui endort la rage des plus malins, c'est l'amour dans le regard, c'est le cœur sur la main. À trop lutter contre des mirages, on oublie que les gens ont tous 8 ans d'âge. À trop s'ériger de barrages, on se noie. L'arsenal le plus fort contre lequel on ne peut rien, c'est l'amour dans le regard qu'on marque.